Là, je n'ai que chiffres. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai. Abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Zem internet, bonsoir, c'est Tichèze Balakai qui rentre la caillou, sous déjà devant écran computer ou bien sous écran laptop ou bien écran tablette téléphone ou. C'est l'émission pour là. Nous venons pour te pour après-midi. À côté, nous allons parler de la justice haïtienne, spécialement une action qui était intentée contre le président Jovenel Moïse par neuf sénateurs qui étaient dit mandat menacé. Ils étaient très fâchés. Je veux dire, nous allons voir avocat adversaire et avocat défendre ça, comment ils allons défendre la cause là. Bataille la très serrée, nous avons proposé de nous retourner. Tichèze Balakai, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Mes amis internautes, pas jamais oublier faire un abonné sur Tichèze Balakai sur YouTube et Tichèze Balakai sur Facebook pour nous rejoindre toute belle émission ça que nous portons pour. C'est les wal gade ou faire un abonné gade Tichèze Balakai a gagné plus en goût pour le travail pour. Dossier correctionnel, neuf sénateurs ont porté plainte devant tribunal correctionnel contre Palais National et spécialement Jovenel Moïse qui a dit qu'il a piétiné droyo, qui a bafoué la démocratie haïtienne. Dans le même dossier, ça a été porté plainte tout devant KIPA. Ils ont écrit le Parlement étranger, Zamio, pour dire que le pouvoir est menacé, il a cherché support solidarité. Hier lundi, le jugement a commencé dans le tribunal correctionnel avec Jean-René Senatus, Jean-Marie Salomon, Yuri Latortue, Diepi Chérubin, Maître Cadichon, Maître Jacques Auxilius, toutes ces ont batterie d'avocats, Jean-René Senatus, mettez des elles et lit en tête à plaider des causes. Jean-René Senatus tellement râlé article, il tellement lit, il tellement parlé, très verbe, il est en pile verbe, eh bien, lui-même arrivé transpiré. C'est une date sur le jugement, ou quand même, ouais, à travers un extrait qui est caméraman de Bralmont Reno, Nixon, côté Senatus transpiré, l'appelé article par article. Qu'elle dit que pour pouvoir menacer et le prêt pour le défendre cause ça arrive juste bien loin. En cas de ensemble, comment Senatus t'a déposé devant Chige Benjamin Félix May dans le tribunal correctionnel. Président Jovenel a commis une infraction qui aurait abus de fonction dans la loi sur corruption. C'est dit, président Jovenel violé l'article 148 code pénal là et par conséquent, il doit prendre sanction la loi. Nous avons à leur niveau débat, les professeurs Cadichon, Jacques-Mé Auxilius, La Tortue, Salomon a développé. Ce n'est pas un débat à faire pour comme théâtre. Ce n'est pas un débat pour tout le monde qui doit apprendre. Le magistrat doit voir qu'il y a des avocats devant. Et c'est droit qu'il a fait. Maintenant, moi-même, je vais aller de mon côté. Par contre, nous-mêmes, en face là, souvent, question incompétence rationnée personnelle, reconnaître le président de commettre l'acte là. Nous-mêmes, nous soulevons une compétence rationnée matérielle. Dans la compétence rationnée matérielle, ça lié, c'est matière là, puisque la peine qui vient dans 5.5 ans, c'est une peine de réclusion. Réclusion à partir de 5 ans prison. Ça veut dire correctionnel, pas compétent pour 5 ans prison. Nous faisons calcul nous-mêmes, comme avocats. Nous disons, si nous avons porté plainte devant le commissaire gouvernement, Jean-Wel Devine Natal l'a défendu, nous avons pris un dossier et l'a classé. Si nous avons devant le cabinet d'instruction directement, nous avons pris un dossier et l'a classé. Nous venons devant le correctionnel et le correctionnel prend le vini pour prendre un dossier pour dire, moi saisis le cabinet d'instruction, mais nous demandons, il faut que les gens aller en état. Aller en état veut dire qui ça? Il faut que le juge s'il a courage. Pour un jeune juge, je comprends. Il est professionnel. Mais ça m'a donné le courage. C'est faire venir monsieur le prévenu Jovenel Moïse devant le tribunal là, marrer le temps qu'on crabe, voyez le pénitentiaire national. Donc, sénateur, si c'est plus on va faire le résultat, donc tout le monde est national. Non, non, écoutez, il y a plusieurs batailles qu'on a faites là. Nous sommes plusieurs fronts. Ça, on a fait une bataille pour le respect des principes, le respect des lois, le respect des normes constitutionnelles et de l'état de droit. Nous sommes bien contents que vous soyez gardé extrait ça, côté M. Senatus, ça a
parler de la loi. Et il dit pas faire ça à cause des pouvoirs. Ce n'est pas pouvoir qu'il a besoin. C'est professionnel. Et tout sénateur qui l'a, c'est professionnel. Il dit qu'il a fait ça pour la loi capable de triompher. C'est la loi qu'il a supporté. C'est la démocratie. Et spécialement, il a fait ça pour les jeunes étudiants qui ont droit pour gagner une jurisprudence au moins. Pour voir comment la loi doit triompher dans le pays qui est Haïti. Lui-même, son ton ironique, il fait un geste pour le dire, mettre dans le juge, tant qu'un grand monde là, il dit Chita, ou pas gars, cet argument là, font camper, c'est Maître Natus qui a l'évidence. Mettre dans le juge, fait un petit monde là qui plié, magistrat, sonne cloche, mettre dans le juge à la fin, il Chita. On a regardé, Zemi était notre réaction, Maître dans le juge. Dans l'extrait que Nixon te prépare pour nous, pas oublier Nixon, c'est caméra. Belle émission, ça va regarder là. Sur page Facebook, Tichèze Balakay, et page YouTube, Tichèze Balakay. N'attendez. Maintenant, même là, numéro moniteur, moniteur code numéro 159. Aurélie, même moniteur, côté président, est convoqué, nègre. Ça, c'est Youn. En 2019, là, le président a reconvoqué encore. Puis elle vote la loi électorale là, puis elle fait l'élection. Yo va faire. Ou sous Tichèze Balakay, Média. Ou mais, bon, bah dit journée, yo va bosse peintre, mais après tu. Bon, mais quand il y a là, yo besoin de tourner dans le Sénat. C'est un besoin de tourner. Bon, mes lettres que le Sénat a voulu par le président. Ouais, alors ceux qui ont dit avocat président, qu'on veut rien de même. Mes lettres. Pour vous passer là, pour vous dire que c'est 10 sénateurs qui étaient pas encore. Ça veut dire que bon, même si vous avez dit aux sénateurs que vous avez dit. Ensuite, vous avez fait comment faire là? Je vais faire retirer toute sécurité sur le numéro là. Je vais marcher pourquoi vous. Dans la rivière sécurité, vous avez fait tout ça. Mon autre lettre encore, que le secrétariat sénat écrit moi-même, mettre dans le jeu. Je vais me écrit yo. Je dis, vous voyez, dis-moi, s'il vous plaît, combien de sénateurs qui sont dedans? Mais l'État n'a même. Le Sénat de la République répond moi, et puis mes listes de sénateurs, je dis, qui sont dedans? Je dis, un, sénateur Pierre-François Sildor, président, département sud. Deux, Jean-Marie Raffetier, questeur, nord. Trois, Pierre Wanick, secrétaire, nord-est. Quatre, Joseph Lambert, Sud-Est. 5. Delva Gracia, Artibonite. 6. Pierre-Paul Patrice Dumont. 7. Denis Cadeau, NIP. 8. Jean-Hugo Belizère. 9. Kédlé Augustin. 10. Ronny Célestin. 11. Pas encore. Pas encore. On m'a dit que fait toute la chose, c'est capuche. Donc, c'est pour montrer nous que Bayern est fait à son fondement. Seul tribunal qui est compétent pour juger un président en fonction, c'est la Cour de justice. Nous, comment on a passé aux États-Unis. Est-ce qu'on va se devant la Chambre correctionnelle, le président et Trump? Ou pas, ouais, c'est la Chambre des députés qui fait une accusation de vous dans le Sénat. Zami Internet, nous retournons, nous faisons garder extrait. Maître nos juges qui était chita tant qu'on petit bébé oui dans le sens qu'elle chita c'est pas vrai dit le père dit non mais dans le sens qu'elle chita c'est comme si son monde qui replié pas oublier nos juges a défendre président Jovenel Moïse et lui représenter dans le tribunal là avec petite li Sarah Hélène Georges une belle demoiselle qui dans cabinet Georges c'est lui même qui c'est eux même à l'OED famille Georges qui a défendre président Jovenel Moïse maître nos juges tellement parlé, dit parti ça qui vient porter plainte là, c'est-à-dire les sénateurs, avec ces Jean-René Sénatus à la tête, ils n'ont pas gagné provision légale pour faire ça y a faire. D'après l'article 186 de la Constitution de 1987, c'est l'instance qui place pour juger le président de la République là, c'est la haute cour de justice. Parce que le président, c'est un haut dignitaire, il a un exercice fonctionnel, c'est la haute cour de justice qui doit juger. Président République là, à savoir Jovenel Moïse. En regardant
est-ce que il y a la route côté justice? Pour la route côté justice, c'est la Chambre des députés, nous songer, il y a une tentative qui a été faite pour mettre le président de la République en accusation, qui n'était pas arrivé à atteindre l'objectif. Sénat, nous a dit, non, l'utilisation qui est éclaté, pour Sénat, 9 Sénat n'est pas là, pour Palais National, c'est 19. Et même qui était gagné 19, pas d'abord la route cour de justice. Ça, c'est l'autre problème encore. J'avais des sénatrices avec l'équipe qui était avec lui, ils sont très satisfaits, ils disent, ils sont contents que c'est la justice haïtienne qui a triomphé quand même, ils sont confiants, ils ont gagné jugement ça. Maître Georges, pour apparaître devant la caméra de la presse, micro de tout journaliste, micro qui était là, côté libre avec des arrêtés dans mail qui lui dit, Palais National, spécialement Jovenel Moïse, président de la République là, te voyer loi électorale dans le Parlement. Deux à deux reprises qu'elle convoquait le Parlement haïtien pour être statué sur loi électorale là pour élection te fait à temps pour renouveler personnel politique, spécialement le Parlement haïtien. Monsieur Patfel, les mêmes rives citer actions que vous avez fait en bas. C'était bataille, craser bureau, et l'idée que là, qui badichonnait le Sénat, il y a une bosse pète, il y a peinturé. Libre dit, on l'autre lettre, côté l'idée, parti qui peut être plainte contre le président, qui cite le devant le tribunal correctionnel là, qu'il paraît qualité pour le défendre le président de la République. Libre dit, on l'autre qui dit, s'il n'est pas avocat président, l'aide ça va pas être même. Libre dit, on l'autre lettre, il dit lettre ça, il fait suite en correspondance qu'il dit que le Sénat République là pour demander combien de sénateurs qui a siégé sous Bissanner. Côté, il fait la réponse, il voit un nombre de sénateurs à Bali. Mais question qu'a posée, est-ce que c'est le secrétariat général Sénat qui voit réponse Bali ou bien c'est Biwa qui écrit à travers le président Pierre-François Zildor, que nous ne connaissons pas, cherché réponse pour vous, amis internautes. À cette condition, Maître Georges Gonlet Namel qui dit même le nombre de sénateurs qui doivent siéger en bas qui est au nombre de 10. 10 ça, les cités noyaux, c'est Pierre-François Sildor qui sortit dans le sud, c'est président. Jean-Marie Ral Fétière qui sortit dans le nord, qui c'est questeur. Wannick Pierre, nord-est, qui c'est secrétaire. Les cités noyaux Joseph Lambert, sud-est. Les cités non Jean-Rigo Bélisère, dans Grand Danse. Les cités non Kedler Augustin, Nord-Ouest. Pierre-Paul Patrice Dumont, Ouest. Denis Cado, Nip. Les cités non tout sénateur, yon après l'autre. Jusqu'à ce qu'il revienne 10 sénateurs qui doivent siéger. Et puis il dit 11. Il oui, en y a encore. Ça dit pas rien encore. Mais Georges a passé, monsieur, dans Tintin. On regarde comment M. Georges t'a fait lecture, la correspondance à recevoir dans le Sénat de la République. M. Georges a accepté que le président commette un délit. Nous avons débattu avec nous, nous là. Jamais. Mais pour ça, nous avons gagné, il n'y a pas de masse grave, il y a eu fond pareil. Regardez, nous avons eu le droit que ce président qui entend le président de la République fait l'élection. Et ça a dit. Bon. Mes amis, mais quand le président convoqué le départ 2018, même on était à la même. Pour voter la loi électorale là, pour faire l'élection. OK? Moniteur, 11 septembre 2018, mais dans même là, numéro moniteur, moniteur contre numéro 159. Vous voyez? Même moniteur, quand le président est convoqué le ça, c'est une. En 2019 là, le président a reconvoqué encore. Puis il a voté la loi électorale là, puis il a fait l'élection. Il n'a pas fait. Il a chuté à craser les chaises, goumé, bon, badigeonné, il n'a pas bon spent, mais il a peinturé. A qui peinturé? Bon. Mais quand il y a là, il a besoin de tourner dans le Sénat. C'est un besoin de tourner. Bon. Mes lettres que le Sénat a envoyées par le président. Oui, alors ceux qui ont un avocat président, comment on peut gagner même. Mais lettre, pour vous passer là, pour dire que c'est 10 sénateurs qui ont été pas encore. Ça veut dire que bon, même si vous avez dit au sénateur, vous avez dit. Ou même, un de nos amis qui a suivi Tichèze Balakaï, je souhaite que vous ayez bien gardé l'extrait ça, vous ayez bien compris, vous ayez bien saisi ce que vous avez dit là-dedans à travers Maître Georges qui a appelé correspondance qu'elle recevait dans le Sénat République.
Kounia, maître Jean-René Senatus, qui dit, l'el quitte le tribunal là, l'a mené Jovenel Moïse devant le juge là, Benjamin Félix-May. Et juge ça a bien pour devoir pour mettre Jovenel Moïse en état d'arrestation pour aller directement dans la pénitentiaire nationale avec lui. Est-ce que vous pensez que le juge là a fait ça? Est-ce qu'elle a un pouvoir vrai pour le faire ça? Nous connaissons le juge qui a un pouvoir, mais si elle a un pouvoir vrai pour l'arrêter le président Jovenel Moïse? Parce que nous sommes en France l'année dernière, dans le discours président a fait, il dit, et c'est même sénateur Sayo, homme politique Sayo, qui balance pile pression qu'il nomme 50 juges corrompus dans le système judiciaire. Est-ce que le juge Benjamin Félix-May pas un nadayo? Est-ce qu'il pourrait trahir le président de la République là? Nous beaucoup connaissons. C'est l'histoire qui dit nous qui est vérité pour le laïc. Mais ça, nous connaissons sur le dossier, ça a des prêts pour nous comprendre tant que nous film cinéma. Nous sommes contents avec vous, amis internautes, qui t'a suivi l'émission sur la page Facebook Tichèze Balakaï et sur la page YouTube Tichèze Balakaï. Toujours disant nous, à l'abonner à la page là. Pour plus belle émission, vous êtes capable de rejoindre à temps. Demain, nous avons une plus belle émission pour vous. Puis vous j'aime oublier de vous monter internet là, checker Tichèze Balakaï. C'est Mediapart là qui a performé en temps réel. Bye bye, n'a croisé demain. Tichèze Balakaï.